Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Réno Déco numéro 2. Cette fois-ci, on va faire emménager un Sims, toujours dans une starter qui se trouve donc à Océan, dans Spring. Enfin, bref, l'autre cru désertique là. J'y vais jamais en plus à ce endroit-là. Et on va emménager dans cette jolie maison qui est une starter. Et je pense que je vais la faire non meublée. Comme ça, je vais gagner déjà du temps au lieu de. Voilà, ce que bien sûr je vais faire encore une fois chronométrer comme la dernière fois. Si vous n'avez pas vu déjà la première vidéo de Réno Déco, c'était une spéciale Noël où je m'étais bien plantée quand même. Ça n'était pas terrible, terrible, mais vous avez été bien gentils avec moi dans les commentaires. Là, je renoue avec, ben, cette fois-ci, pas de thème puisque ce n'est plus Noël, mais juste rénover avec, donc dans une starter, avec le budget d'une starter, de faire un truc vachement plus sympa que ce que les Sims nous ont fait. Des trucs peut-être plus modernes. Là, j'ai pas de thème particulier, donc je vais partir sur un truc vachement plus sympa, plus moderne, en tout cas plus joli que ce qu'il y avait à la base. Et là, en plus, c'est un défi, parce que comme je n'aurai aucun meuble, si j'oublie de faire la cuisine, j'oublie de faire la cuisine, quoi. Bon, bien sûr, pour l'instant, je ne fais pas avec des packs spécifiques. Donc, à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse un Réno Déco, mais spécial avec, par exemple, que le jeu de base. Ça pourrait être vraiment bien parce que c'est une starter avec que jeu de base. Dans ce cas-là, je le ferai. Ce sera pour un prochain numéro. Donc, on va tout de suite aller sur le terrain. Nous voilà sur le terrain du Sims. Alors, ah, oh, mais c'est qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est une grande maison quand même. C'est une grande maison. Je vais déjà aller en mode de construction. Je vais enlever la grille et je vais mettre en journée, hein, pour qu'on y voit quelque chose. J'ai un budget de 7 681 Simflouz, c'est plutôt pas mal. Pour un premier abord, donc salle de bain ici, là on sait pas trop, je crois que la cuisine normalement elle est ici. Là c'est un espèce de vieux salon dégueulasse. Et j'aurai deux chambres. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, j'aime pas du tout le truc comme ça. Avec les pièces séparées, j'aime pas. Et je pense changer possiblement les fenêtres. Que je trouve largement trop petite. Sauf là, j'aime bien parce qu'il y a une jolie vue sur la rivière derrière. Bon, je m'excuse par contre si j'entends pas la sonnerie. Là, j'ai mis le téléphone à fond, donc il devrait sonner assez fort pour que je l'entende. La dernière fois, je l'avais pas entendu et donc j'avais mis deux objets en trop. J'avais retiré un, mais en fait, il y en avait un qui était quand même en trop par rapport au moment où ça sonnait. C'est-à-dire que vous l'avez bien entendu, mais moi, avec la musique du jeu dans les oreilles, j'avais pas entendu du tout. Allez, et ben c'est parti. Mon kiki, je vais casser donc ça. Hop, on est déjà bien. On va prendre un papier peint, plutôt peinture. On va faire plutôt placo. Non, on va prendre un truc clair, facile, vert, bleu. Ça là, ouais, non, c'est un violet. Allez, alors, si vous m'avez jamais regardé jouer aux Sims, je suis toujours stressée quand il s'agit de faire. Un truc chronométré, je fais toujours du grand n'importe quoi. On va prendre du parquet. On va prendre du parquet clair, ou parquet blanc, non. Les bois comme ça, c'est plutôt pas mal. On va changer le sens peut-être. Oh, vous voyez, je commence déjà à faire n'importe quoi. Je veux changer le sens, j'ai dit, voilà. On va faire ça comme ça. Donc en fait, c'est la lumière, c'est ça que j'aime pas. Ouais, voilà, c'est très bien. On va tout faire en blanc comme ça, blanc bleu. Je vais enlever les fenêtres. Ça, je les aime pas. On va prendre une grande fenêtre. On va en mettre une ici et une là. C'est beaucoup mieux. Vive la lumière, hein. Tout simplement. On va en mettre une là et une là. Ici, une. Ouais, on va en mettre une ici aussi. Voilà, il y a déjà plus de lumière, ça me plaît mieux. Oh, la moquette, quoi. Non, 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 non. On va remettre du parquet, peut-être un peu foncé ici. Ouais, voilà. Ça, c'est dégueulasse comme carrelage. On va mettre quelque chose de plus clair. C'est blanc, ça. Ah, punaise, on dirait que c'est bleu. Mince, j'ai pas appuyé sur le bon truc, c'est ça. Ici, hop. Bon, moi, j'aurais fait les murs et compagnie, hein. Voilà, ça sera déjà un peu plus clean. On a un grand séjour, du coup, c'est bien. Je vais pas réfléchir trop longtemps, hein. On va passer directement à l'aménagement de la cuisine. Voilà, ce plan de travail-là, il est parfait. On va faire la cuisine ici. Allez, c'est parti.
Tac, 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 tac. Je sais plus si j'ai activé le Baby Move Object. Je pense pas, parce que je viens de lancer mon jeu. Mais viens là, toi. Viens là. Plan de travail. Oh, punaise. Voilà comment il y a les éléments qui se liguent contre moi. Ils ne veulent pas que je fasse le jeu que je veux faire. Ta-ta-tam. Le stress, les enfants. Je vais mettre plutôt un truc là comme ça. Ici, je vais mettre ça. Hop, deux trucs comme ça, on est bien. Vous me demandez pourquoi je fais des trous. C'est pour mettre le frigal. Ouais, 1500, on va pas mettre celui-là. On va mettre celui-là, il va être très bien. Faut pas que j'oublie que j'ai un budget à tenir. Là, on n'est pas juste en décoration, en speed build. Non, non, non. Je dois rendre des comptes. Ok, je vais faire un demi-mur. Un demi-mur de cette taille-là. Mais non! Mais non! Ça y est, ça commence à faire des conneries, hein! C'est conneries, j'ai dit! Ah, si je sélectionne pas, je vais avoir du mal. Voilà, demi-mur ici. Tac. Je vais mettre en couleur, c'est bon. Il fait sombre, il manque de la lumière. Toi, tu peux, s'il te plaît, tu supprimer, je m'en fiche. Toi, on va te mettre là, comme ça, c'est bien aussi. Bon, ça fait pas. Hein. J'aime pas quand il y a un meuble devant. Tu vas te mettre comme ça, du coup. Non, on va te supprimer, ça sera pas plus mal. Ok, ce que je voulais faire. Je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Je sais pas combien de temps il me reste, donc de toute façon, j'ai pas besoin de regarder. On va tout de suite. J'étais avec. C'était cela. C'était des grilles. Non, c'était. Oui! Broil. Même ça veut dire un. Broil. Mais c'est lesquels? Et qu'est-ce que. Broil, il n'y a pas la correspondance? Bon, bah, c'est pas grave, on fera. Cela. Bah, non, bah justement, je prends les seuls trucs qui n'ont pas la correspondance pour les meubles hauts, quoi. Oui, bah, tant pis. On fera ça comme ça. Hop. Tant pis, tant pis. Voilà, et un petit meuble d'angle, c'est pas mal aussi. Voilà. Et celui-là, pour la vaisselle, ça ne correspond pas, on s'en fout. On a besoin de lumière. Mais vite le jeu, vite, j'ai pas que ça à faire. La lumière, on va mettre celle-ci, je l'aime bien, pour la cuisine. On va mettre celle-ci pour l'espace salon. On va mettre deux lampes, c'est bien. On va en mettre une ici dans la chambre. On va en mettre une ici, là. Et une petite lampe à la con qui est celle-ci, c'est celle-là, dans la salle de bain. C'est parfait. Voilà. On va aligner celle-là parce que ça me dérange. Sinon, ça va faire un. Ouais, ça fait une grande cuisine et un petit espace. Bon, on s'en fout. On n'est pas là pour faire Valérie d'Amido. Je vais mettre des fenêtres. Un lit. Un lit dans la chambre, ce serait plutôt pas mal. On va mettre ce lit comme couleur, j'en ai aucune idée. Ah ouais, on va faire la simplicité. C'est aussi moche que ça, ces fenêtres? Bon, d'accord. Ben non, tu vas en supprimer une. On va faire. Ah bien sûr, ça va pas centrer. Ah bah ben ça pour m'emmerder, c'est pas mal aussi, hein. Bon, ok. Vous voulez jouer? On va jouer. Ce lit, il est dégueulasse. Est-ce qu'il n'y a pas un. Ah non. Ah, faut aller, on va partir là-dessus. Quoi? Il me reste que 180? Mais non! Mais c'est quoi? Il y a des trucs qui coûtent un bras ici, c'est pas possible. 1485. Oh là 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 là. Et j'aurai pas le temps de tout meubler. Ni le temps, ni l'argent. On va acheter un lit de merde. On va acheter un lit de merde. On va t'acheter un futon. Tiens, un futon avec ces couleurs-là. J'aime bien celle-là. Voilà, c'est mignon. Tu veux une table de chevet, au moins une, hein, comme ça on s'emmerde pas trop. On va te prendre ça. Ça correspond pas en couleur. On s'en fiche. Voilà, j'ai vraiment pas mis le bébé Move Object. C'est pas grave. Une petite commode, histoire de dire que on a mis de l'argent. Voilà. Ici, c'est magnifique. Ok. Au moins votre Sim pourra manger et dormir. Après, il faut qu'il aille pisser. Je vais prendre les trucs les moins chers là, les premiers trucs qui passent. Tac. Un petit pipi room, une douche. Oh bah j'ai déjà plus de sous. Ok. Bon, on va casser un peu de plantes.
Ah oui, mais c'est ça la rénovation, hein. Ça, je vous le dis, hein. Est-ce qu'ils ont... Hop, on supprime les dessous d'escalier. Ça, c'est un bon petit type. Une douche, une toilette, un lit, une cuisine, une table pour manger. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est utile. On va la mettre là. On va mettre deux petites chaises de merde. Style comme ça. Voilà. On va prendre... voilà. Tac, tac. Et même une troisième. Et on va dire qu'on a des amis. On va aller dans le canapé. Dans le canapé. Dans le salon. On va prendre notre canapé de merde. Ah! Ah, c'est vraiment des canapés pourris, hein! Aïe, 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 aïe! Oh, il y a des couleurs sympas. On va prendre celui-là. On va le mettre là. Un petit canapé ici, comme ça, voilà. Tranquillou. On va mettre un peu d'ambiance. On va mettre de la mosaïque. Mosaïque de la night. Voilà, on va mettre ça là. Voilà, il pourra au moins se détendre, manger, boire, pisser, dormir. Un tapis. Est-ce que j'ai de l'argent pour un tapis? 344 Simflouz. Oh, mais je peux pas. Mais il faut que je casse. Il faut que je fasse de l'argent. C'est pas énormément de plus, mais c'est toujours ça. Et il faut que. Là, je parle, parce qu'en fait, ça, je suis stressée. Mais oui, messieurs, dames, je suis stressée, donc je parle. Voilà, c'est pas beau. On a un grand séjour, hein, c'est quand même un peu mieux. Bon, la chambre, c'est la chambre d'amis, hein. Il n'y aura personne qui va venir vivre là. Des lumières, oui, des lumières, on en a déjà. Un fauteuil, pourquoi pas. Non, on va prendre des coussins. Hein, on a pas, on est sans le sou, donc on prend des coussins, histoire de dire, ouais, bah viens, toi, viens dans mon appart, j'ai des coussins, trop cool. Qu'est-ce qui coûte cher là-dedans? J'en sais rien, j'ai pas... Si, peut-être le frigo. Ouais, le frigo était bien cher. On va le changer, si je stresse pas trop. On va prendre celui-là, là, 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 là. Là, paf, pouf! Voilà, j'ai de nouveau du budget, j'ai aussi le machin. Bon. On va quand même mettre une petite chambre d'amis. Ça n'a pas encore sonné. Là, j'ai le téléphone quand même sous les yeux. Oh, le lit de camp! Le lit de camp qui va bien. Non, quand même. Celui-là, ils sont moches. Putain, mais c'est affreux, ces trucs. Allez, on va mettre celui-là. Un bon petit lit. Coucou, voilà, la chambre d'amis. Je sais même pas quoi... Ah, un miroir! Mais oui, un miroir, bon sang! Un miroir, un miroir. On va mettre un miroir. C'est vrai que je mets jamais d'évier, moi, dans mes... Dans mes let's play, si vous avez l'habitude de me regarder. Voilà. Mets-toi bien aussi, tu me fais perdre du temps. Voilà, on a un miroir, on a un lavabo, on va mettre un évier aussi pour les puristes. Mais comment ça, t'as pas d'évier dans ta cuisine? Eh ben non. Enfin si, dans chez moi j'en ai. Mais... Ah ben voilà, c'est fini. La rénovation de la maison est faite. Je vais arrêter ça. Bon. Minimum légal. C'est pas terrible, mais il y a une cuisine fonctionnelle. Attention, il y a une table et des chaises, un canapé. Mais il n'y a pas de télé. Ah, moi non plus, j'ai pas de télé. La salle de bain et une chambre, même deux avec une chambre d'amis. Bon, alors c'est vraiment la chambre à l'abandon, quoi. Bon, moi je dis, on va faire la visite. Avec les yeux de mon petit Sims que j'ai créé exprès pour l'occasion, il s'appelle Rajan. Et je le mettrai sur la galerie s'il vous intéresse. Nous allons donc. On va le laisser faire sa life, je pense. Et on va. Voilà, visiter la maison en mode. Parce qu'il va forcément rentrer chez lui à un moment donné, non? Voilà, il va aller cuisiner. Visitons la nouvelle maison! Waouh, j'aurais pu supprimer les trucs. Sur le toit. Ah, c'est quand même mieux. Bon, c'est grand et c'est spacieux et il n'y a rien à y faire. Mais dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a même des vidéos. Non, c'était pour la rime. Voilà, il a fait la compétence cuisine. Hein? Et te plaît ta maison ou pas? Comment. Ah, oh, viens ici. Voilà, viens là. Est-ce que tu peux t'asseoir? Tu peux t'asseoir, tu le peux. Tu es un grand garçon, visite à premier degré. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais il peut toujours se divertir avec. Comment ça s'appelle? Le truc de musique. Tiens, tu vas te lever. Est-ce qu'on peut passer. Verrouiller la porte? Non. Alors, du coup, je suis obligée de faire ça. Attendez. Non, je me trompe. J'arrive pas à faire les touches. Bon, mec, tu sais ce que tu vas faire.
Mais il sait pas. Non, il veut vraiment continuer à manger. Je voulais le faire aller dans la chambre. Et maintenant que je peux plus. Si, il peut aller dans la chambre. Tu peux aller dans la chambre s'il te plaise. Voilà. La chambre, elle est belle, elle est grande, elle est spacieuse, elle est claire. Bon, j'ai au moins refait le sol, hein, c'est au moins ça. Et puis, tu vas venir dans la salle de bain. Ouais, alors là, la salle de bain, il n'y a rien à dire, quoi. Elle est beaucoup mieux comme ça. Bon, avec les trucs les plus simples du monde, mais au niveau budget, c'est une starter, hein. Donc, voilà. Et puis, cette chambre-là. Voilà, tout simplement, en tout cas. J'espère que cette petite mission de décoration vous aura plu, où j'aurais pu revendre la cheminée et le balcon. C'est pas grave. Et cette fenêtre-là qui servait à rien. Bon, j'ai vendu les plantes, c'est déjà pas mal. Deuxième mission Réno Déco. À vous de me dire si c'est réussi ou pas dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur les Sims 4 sur la chaîne. Allez, salut!